Bonjour à tous, on se retrouve pour de nouveaux Tsumego sur 100 Ouechi. Donc on va résoudre quelques Tsumego de niveau 6Q, il me semble. Il n'y a pas marqué là. C'est de 6Q et plus. Donc petit à petit, on va aller vers du 5, etc. On va en résoudre quelques-uns et essayer d'expliquer au maximum pourquoi la bonne réponse est la bonne réponse et pourquoi les mauvaises sont les mauvaises. Pour ça, là, du coup, salut à toi BFM. Pour ça, on va essayer de. S'il y a des personnes dans le chat qui participent, des fois il y en a, des fois non moins, qui proposent aussi leur solution. Et au bout d'un moment, j'essaye de mettre la bonne réponse. Si c'est celle-ci, tant mieux. Si c'est pas celle-ci, ben ça arrive aussi. Et on essaye de voir ensemble pourquoi. Donc à chaque fois, je laisserai quelques secondes. Comme ça, vous-même chez vous, vous pouvez résoudre les Tsumego de tête. En général, c'est mieux. Essayer de réfléchir au prochain coup de l'adversaire, etc. Et on regarde ça ensemble. Merci pour le follow, Kurama. Bienvenue à toi. Donc ici, il y a Noir de jeu. Noir joue et vit. Oh oui. Comment? Est-ce qu'il y en a qui ont des propositions dans le chat, par exemple? Ici, on peut imaginer un coup par ici. Si ensuite on vient par là. Est-ce que ça a l'air de marcher? Blanc peut continuer et faire un faisceau. Ok. Qu'est-ce qu'on peut regarder d'autre? On me propose Q16. Q16 ici. Blanc vient là. Très bien. Qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Toi, BFM, tu l'as, oui. Ce qui n'est pas évident ici, c'est effectivement de ne pas s'accrocher à toutes ces pierres. Ici, il faut continuer dans la même idée que nous a proposé BFM et faire atterrir ces deux pierres-là. Ce qui force la capture de nos deux pierres précédemment ici. Et maintenant, on peut revenir là. Effectivement, quand on joue ici, comme blanc vient là, si on sauve ces deux pierres, encore une fois, blanc peut venir, pardon, blanc peut venir sauver ça. Si on vient ici, blanc vient là. Si on vient ici, blanc vient là. Donc si on sauve toutes ces pierres, c'est assez compliqué. Il faut se dire, tiens, je joue ça. Effectivement, si blanc joue ailleurs, noir pourra prendre cette pierre. Donc à priori, il faut faire quelque chose. Si blanc pousse ici, noir peut prendre cette pierre toujours. Tac, tac, Atari, mes captures. Donc ça ne marche pas non plus. Est-ce que quelque chose pourrait marcher pour blanc? A priori, non. S'il recule comme ça, noir vient ici. Même si blanc avance, noir vient là. Il y a toujours deux yeux. Donc la seule solution pour blanc, c'est de prendre le maximum possible, ces deux pierres. Il sait que noir va devoir vivre. Allez là. Blanc capture et noir vient ici. Noir est vivant et blanc s'est emparé de deux pierres en CNT. Il garde l'initiative et peut jouer ailleurs. Je suis là sans être là, ma connexion est capricieuse. Ok, ça roule. Et salut à toi, Pilous. J'espère que vous allez bien tous les deux. Problème suivant. Alors, à noir de jouer. Noir joue et tue. Et vit à la fois d'ailleurs. Donc comme d'hab, j'attends quelques secondes et on regarde quelle est la bonne réponse. Est-ce qu'il tue? Est-ce que c'est un ko? Est-ce que c'est un seki? Donc mi-vivant, mi-mort. Ah,
Juste connecter? Je pense effectivement que ça a l'air pas mal. Si on connecte juste, blanc vient là et c'est un coup. Et on a tous les deux tort, selon l'IA, selon le 1.5 Dan qui a créé ça. Ok, on a tous les deux tort. Au lieu de faire un Seki, lui, il préfère, a priori, faire un coup. Je pense que c'est ça en fait. T17. Pourquoi? Si blanc joue ailleurs après le T17, là je laisse comme ça, on peut aller en T16. Et là, blanc est obligé de capturer cette pierre de jouer en S17 pour capturer la pierre en R17. Sinon, il se fait capturer, parce que avec une pierre ici, il est en attaque. Donc, blanc va capturer. Et c'est un coup. Je vous montre. Tac. Si on joue là, on peut jouer ici. Et là, blanc est forcé de capturer. Ouais, bah c'est ça en fait. Ça peut dépendre du statut de la partie. Si le Seki est suffisant pour toi, surtout que le Seki est senté, tu gardes l'initiative, tu peux jouer ailleurs. Donc des fois, ça peut être suffisant. Mais du coup, on préfère avoir le résultat le plus sévère, j'imagine, en fait, à chaque fois au Tsumego. Mais c'est vrai que j'ai vu le Seki, j'ai voulu jouer direct comme toi. Hein. Mais en fait, il faut regarder plus loin. S'il y a un Ko, dans les Tsumego, ce sera souvent préféré. Surtout quand ça vise à tuer. Parce que j'imagine, on veut la réponse la plus sévère. C'est marrant parce que BFM dit l'inverse de moi, du coup, là. Le Seki est mieux que le Ko en général dans le Tsumego. Ok. Bah, ici, a priori, il préfère. Après, voilà, c'est ça. Le créateur dit ça, c'est mieux. On n'est pas à l'abri de ça aussi. Je pense que ça dépend vraiment du statut de la partie. Est-ce que tu as besoin de ça ou non? Problème sûr. À noir de jouer, noir joue et tue a priori. Est-ce qu'il tue? Est-ce que blanc, c'est impossible à tuer blanc et yon? C'est qui? Ko? Donc cette fois, c'est difficulté 5Q. Le bot qui bloquait la réponse de BFM, N19, je pense effectivement que c'est N19. C'est plus simple. Et là maintenant, en forçant cet Atari blanc qui se défend, il défend sa pierre en N18. Et là, on identifie la forme en 3. Et si on joue en dedans en premier, blanc ne pourra jamais faire deux yeux. Dès le début, je cherchais très vite fait, j'ai regardé ça, bon, en 2 secondes, parce que j'étais en mode ça va être un truc compliqué. Et en fait, non, c'est assez simple, c'est réduire l'espace. Et ensuite, jouer à l'intérieur. On avait vu les autres fois qu'il fallait identifier déjà s'il fallait aller directement dans le point vital, parce que c'était une grande forme assez souvent, par exemple, et ensuite réduire. Ou est-ce qu'avec une petite forme comme ça, on peut d'abord réduire et ensuite aller dans l'espace vital? On voyait que c'était du cas par cas. Hop, problème suivant. Noir joue et vit. Ici, en fait, il faut augmenter, justement, là, c'est l'inverse, il faut augmenter son espace vital. Moi aussi, j'ai un Seki, ouais, effectivement. Donc, on va aller par ici, parce que si on blanc ne bloque pas, on pourra s'échapper. Donc, il nous bloque. Ensuite, on peut venir ici, ce qui menace de faire un œil en jouant en N19, et donc un deuxième avec l'autre côté. Donc, blanc va nous empêcher. Et ensuite,
On peut venir par là, blanc bloc, même cheminement, on vient ici. Mais attention, c'est pas fini, parce que si là on Tenuki, si on joue ailleurs, blanc plus tard pourrait être amené à jouer en O18, et quand on le capturera, ce sera une forme en 4. Donc il pourra se faire capturer et ensuite rejouer au milieu. Il faut imaginer cette forme en 4 là, après dedans, une pierre noire là, une pierre noire là, et noir sa main. Donc on doit nous-mêmes jouer à cet endroit-là, c'est assez contre-intuitif. Hein. Et à ce moment-là, hop, j'y reviens. Pouf, 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 pouf. Pouf, pouf. Déjà, je vous montre. Tac. Plus tard dans la partie, blanc va menacer de capturer ça. Si on joue ailleurs, là, c'est on atterrit ses 4 pierres. Même si on joue ici, déjà, on se met en auto-atterri. Mais de toute façon, blanc peut capturer aussi. Donc, on a envie de capturer ses pierres. Et blanc nous met en atterri, on capture. Et là, voilà, je vous ai dit, les combos 11 et 13 sont là. Blanc peut revenir à l'intérieur et cette forme-là est morte. Car quand on va capturer, il n'y aura plus qu'un seul œil. Donc ça, c'est pas possible. Donc on a envie de jouer ici. Et là, plus tard, si blanc entoure, s'il veut capturer, il faudrait rajouter un coup. Le problème, c'est que s'il rajoute un coup, on capture, et cette fois, c'est une forme en 4. Si blanc joue un des deux points au milieu, noir répond de l'autre côté, c'est Mi-Ai équivalent. Et du coup, noir est vivant. Un œil, deux yeux. Blanc ne peut plus bouger car le suicide est interdit. Donc, comme dit BFM, arrivé hop, ici, c'est un Seki. C'est ni vivant ni mort. Je déteste les Tsumego. Ah, désolé. On m'a dit d'en faire plus, donc je vais faire un petit peu quand même à chaque fois. On va faire une petite demi-heure et on verra après. Hop. Donc, un noir de jouer et Tesuji. Que peut jouer noir ici? Donc là, concrètement, qu'a envie de faire noir? C'est sortir de ce pétrin les 4 pierres noires. En R16, Q16, P16 et P15. D'instinct, je pense à la même chose que toi. J'ai même pas lu. Je t'avoue, là, il faudra peut-être que je le dise. Mais ça a l'air faux. Ça n'a pas l'air de marcher. Parce que noir S15. Et si blanc va directement en Q15. Blanc a encore 3 libertés et nous 2. Salut Fear Chaos, comment ça va? Donc tout simplement P14 j'imagine. Mais le problème c'est que ça va vite se transformer en snapback. Parce que si on joue P14, blanc répond P13, qu'on fait Q13 nous-mêmes, donc blanc répond. Et qu'ensuite si on fait l'atterri en Q14. Je disais, du coup, si on joue directement ici, blanc répond là. Même si on fait cet atari, blanc répond là. Et si on fait celui-ci ensuite, blanc répond ici, on capture, mais on se fait recapturer en snapback derrière. Donc ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Mais on fait au 13, pas Q13. Noir, blanc. Effectivement, là ça a l'air de marcher. Noir, blanc. Noir, blanc. Et ceci. Ok, bien vu. Bien vu, bien vu. Celui-là, je l'avais pas. Celui-là, je l'avais pas. C'est obnubilé par mon S15 aussi. Je vous montre l'autre séquence. Si on fait atterri de ce côté et qu'on fait atterri ici, blanc peut revenir là. On capture. Mais on se refait capturer derrière. Et la petite séquence qu'on montre au début, ceci, on pourrait se dire, si blanc fait atari, il peut tomber dans le piège. Hein. Tac.
Tac. Et ça a l'air de plutôt bien marcher. Blanc. On ne peut pas jouer ici, sinon il se fait capturer. Donc il capture là. On revient ici. Et cette fois, on pourrait penser c'est la même forme, il y a encore Snap Back. Non, parce que cette pierre en 4 est mise en atterri également. Donc on peut capturer. Attention à ne pas capturer celle-ci, sinon oui, on se fait recapturer. Donc, s'il y a ça, en fait, blanc, il répond ici. Et là, il a 3 libertés. Là, il a 3 libertés. Et noir n'en a que 2. Donc, il est fini. J'ai regardé Q13 en premier et ça marche pas. Donc, je regarde l'autre. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Hein, de toute façon. Tu as raison. O13 est beau. O13 est joli, ouais. C'est vrai. Il n'est pas instinctif, en fait. Parce que on a l'impression. Et c'est ça qui mène au snapback. Hein. On a l'impression, en fait, tiens, de quel côté blanc a plusieurs groupes, et on regarde ça, en fait, et du coup, t'as envie de jouer de ce côté. Et c'est ça le piège, justement. Et c'est pour ça que c'est un problème de Tetsuji, qui est un Tetsuji qu'on pourrait traduire par ou remarquable, infaillible. Hop, on passe au suivant. J'essaierai de couper là où il y a le son qui coupe. Ah non, de jouer. Problème de vie de mort. Noir joue et vit en gros. Est-ce que Noir vit inconditionnellement? C'est qui ou quoi? Salut Dylan. C'est 5Q ça? Ouais, ça c'est 5Q, effectivement. Ça c'est 5Q. C'est vrai qu'il est peut-être un peu chaud pour un 5Q. Enfin, il n'est pas évident à trouver directement d'instinct. Je vois un Ko aussi, mais j'arrive pas à avoir d'autres choix. J'arrive pas à avoir d'autres choix. Le Ko se verrait ici. Blanc vient là et on joue ici. Est-ce que vous le voyez différemment le Ko? Je pensais que c'était dans ce sens-là. Peut-être que c'est dans un sens, tu le voyais comment Fear Chaos par exemple? On n'est pas, je suis pas bonsoir. Hein. Je le voyais comme ça, et c'est un Ko, hein, mais blanc prend en premier. Peut-être qu'il y a une version du Ko où noir prend en premier. Parce que, en fait, si on essaye de vivre comme ça, en fait, non, s'il faut que je vous le montre comme ça, si on essaye de vivre comme ça, blanc viendra ici, noir vient là, blanc vient ici. C'est en atari, on doit répondre. Donc on n'aura qu'un œil. On n'aura qu'un œil. Et inversement, si on vient ici, blanc ira là. Pareil. C'est pour ça qu'on pensait à un Ko directement. Mais du coup, c'est sûrement pas en commençant là, mais en commençant ici. Blanc capture, on revient là. Ouais, c'est ça. Et là, on capture en premier. D'accord. Et pourquoi pas tenter de commencer par S13? S13. Ah, on peut regarder aussi. S13, parce que blanc peut venir ici directement. Atari sur ces deux pierres. On protège, blanc recule. Il n'y a qu'un œil. Donc effectivement, d'instinct, c'est un Ko. Mais ce Ko-là pose problème car quand blanc vient ici, noir vient là. Effectivement, il y a Ko. On pourra peut-être vivre. Le problème, c'est qu'on doit trouver une menace ailleurs en premier. Alors que en jouant ce coup-là d'abord, quand blanc capture, on protège. Blanc joue ce point-là pour créer la situation de Ko et peut-être que R14 ne sera pas un œil. Mais on capture en premier. Et blanc doit trouver une menace d'abord. Donc c'est pas mal. Je vais quand même vérifier que ce soit la bonne réponse. C'est dans Explore. Correct answer. Donc c'est bien ça. Blanc capture. Tac, tac, tac. C'est bien ça. Ok. Super. Hop. À noir de jouer. Noir joue et tue.
Il y a un petit piège ici. Il est un petit peu moins dur celui-là. C'est un beau résumé ça, Oumpilous. C'est ça, c'est super important parce qu'en fait là, il y a des choses, peut-être qu'en réfléchissant plus longtemps, on les aurait trouvées, mais il faut qu'on, justement, moi je perds par exemple beaucoup de temps en partie à réfléchir à des choses et je suis là, mais je devrais savoir ça en fait. La forme devrait me parler, ou alors les des réflexes là de faire d'avoir le prix le co en premier, d'alors quand on voyait que c'était qu'il y avait la question du co ou du c'est qui, etc. Ouais, c'est ça, exactement. Le CNT est énorme. Dans une partie, tu fais ça 3-4 fois, tu prends le CNT, bah ça joue la partie, tout simplement. Tu peux placer un gros coup ailleurs. T15 a pas l'air good. Ah, le piège est par là, ouais. En fait, ici, il faut penser à la glissade du singe. Perso, je préfère faire des Tsumego que jouer des parties. J'adore les Tsumego. Moi, j'aime bien les deux, là. C'est vrai que Tsumego, j'avais pas le réflexe, mais maintenant, j'aime bien. En fait, c'est la troisième fois que je fais, hein, mais... mais j'aime bien. Franchement, je pensais que j'aurais plus de mal à rentrer dedans, et même en me foirant, j'aime bien. C'est bien, c'est en perdant qu'on apprend. Mais j'aime bien faire les parties à côté, quand même. Ici, le piège, c'est qu'il faut jouer en T16. Comme ça, on peut connecter par au-dessous. Si blanc vient ici, on capture. Et il ne pourra jamais mettre. Hop, hop, hop. Il ne pourra jamais venir mettre en atari nos pierres. Sinon, il se fait en auto-atari lui-même. Le petit piège, c'était d'aller là. On se dit, on va développer rapidement. Effectivement, on peut se dire, si blanc vient là, on capture. Si blanc vient là, on vient ici. Tac. On va se capturer. On peut pas aller là, etc. On se dit, il n'y a rien qui marche. Mais en fait, si, en faisant ce sacrifice, en noir capture, il nous reste pas mal de liberté. Donc on peut faire Atari en S17. Si noir fuit, c'est un coup. On peut avoir deux yeux. Et si noir connecte, voilà bingo. Parce qu'on peut mettre Atari en T14. Et noir, s'il fuit, on capture tout. Donc voilà, au moins c'est un coup ça. Tac, tac. Ce qui est pas mal. En plus, on prend en premier. Donc attention à ça. On doit jouer ici. C'est vert. C'est pas intuitif du tout. Mais ça marche plutôt bien. Et du coup, c'est la grande glissade du singe. Hop. C'est bon pour tout le monde. Si on fait T15 blanc, joue T16. C'est ça. C'est pas le premier coup que tu regardes. Non, c'est ça. C'est le deuxième. Exactement. En fait, de toute façon, hein, je pense que tu regardes les deux. Problème suivant, Tsuji, un noir de jouer. Que je noir ici. C'est 5 queues encore. Celui-là, il n'est pas évident. Qu'est-ce que tu veux faire? Est-ce que tu veux capturer ces deux pierres-là ou autre? C'est vrai que d'instinct, moi aussi, j'ai regardé ces deux pierres-là. Sans y voir quelque chose d'incroyable non plus.
Mais sinon, il y a les couverts S18 parce que j'ai l'impression que R19 ne marche pas très bien. Ou alors il y a un coup. Tac, tac, tac. Et non, blanc, il n'y a rien du tout. S18, ça n'a pas l'air ouf non plus. Non, oui. Je regardais un coup vers. Non, je vois rien qui marche très bien, donc. Je vois pas de Tsuji ici, je. La seule chose qu'on pourrait se dire, c'est peut-être qu'on ne pense qu'à l'attaque. Alors qu'on va peut-être se prendre un coup méchant, par exemple. Imaginons c'est à blanc de jouer. Blanc, il pourrait jouer un coup agressif. Par ici, en R12. Donc moi, je vois soit un coup vers R12 pour noir, pour vraiment protéger sa forme. Soit c'est une histoire de coupe en P15 pour séparer ces deux pierres du reste. Mais je vois pas en quoi c'était Tsuji vraiment. Q19 pour utiliser la coupe. Noir. Blanc. Noir, blanc, noir. Je ne vois pas tuer le coin. Mais j'arrive pas à voir là ici, c'est assez difficile. Je sais pas vous, si vous arrivez à trouver un truc vraiment. Pour viser au 18. Noir, blanc, noir. Donc toi, tu penses à ça? Non, bon, c'est pas ça. C'est pas le coup avant, en P16. D'accord. C'est pas ça. C'est sévère. Hein. Moi, je pensais à un coup comme ça, mais peut-être que je me trompe. La bonne réponse, c'est celui-ci, ok. C'est soit ça, de toute façon, hein, je pense. Parce que ici, j'ai pas l'impression qu'il y ait grand chose qui marche. Tac, tac. C'est tout. Ah ouais, d'accord, c'était juste pour couper. On cherchait beaucoup trop loin. On cherchait vraiment beaucoup trop loin. Après, je ne vois pas en quoi c'est un Tsuji du coup. C'est juste une coupe. Parce que quand on nous dit un Tsuji, on s'imagine à quelque chose vraiment qui va avoir un grand effet. Après, ici, oui, on coupe, mais. On s'attend à ce qu'il y ait l'adji et tout. Après, oui, ça sépare les deux pierres, effectivement. Effectivement, mais bon. Tout simplement, hein. Ok. On s'est fait avoir. Clairement. Il n'y a pas de suite, c'est chelou. Ouais, c'est bizarre. C'est très bizarre, je trouve aussi. Franchement, ce coup, tout le monde l'a vu. Oui, tout le monde a vu ça, mais on s'est tous dit que c'était pas ça, Weifel. Allez, suivant. Noir joue et tue. Ou, comme d'hab, c'est qui, quoi. Oui, celui-là, il est assez connu. Il est assez connu, celui-là. En fait, on a envie de commencer par un coup, mais il y a forcément une préparation d'abord. Il faut préparer le terrain et après on peut jouer le coup qu'on désire. Il nous tape un peu à l'œil ici, dans l'œil. Est-ce que vous avez du coup, il faut ici, si vous avez la séquence, il faut dire trois coups. Noir, blanc, noir. Non, spoil pas si tu l'as, si tu es sûr à 100% de l'avoir. Sauf si dans 15 secondes, par exemple, personne n'a dit. Là, tu peux t'autoriser. Ouais, il est souvent dans le coin, même. On va faire petite dite Sumego et après on fera une partie. Là on est à 8. Ça fera une petite vidéo YouTube en plus tranquillement. Parce que les autres elles durent 1 heure et 2 h 30 je crois. Ici il faut. On a envie de commencer ici pour créer des situations de fauteuil, mais il faut d'abord commencer en T18. Blanc empêche la connexion des pierres par-dessous. Et ensuite on vient ici. Alors pourquoi?
survit ici. Salut Bushy. Je crois que j'ai encore mal dit. Bushy. Le problème ici, si on fait ça, c'est blanc peut venir là. Et si on joue ensuite ça, par exemple, blanc peut aller là. Les pierres noires sont condamnées. Donc on peut rien faire avec ça. Et si on joue celui-là, blanc peut capturer. Si noir recule, on capture, ça recapture, certes. Mais quand on protège, on voit clairement les deux yeux ici. Donc il n'y a aucun problème. Par contre, en commençant par ici d'abord, blanc, il ne peut pas faire des yeux par là. Atari. Et si on connecte par exemple, disons, il n'y a qu'un œil ici. Si on connecte ici, noir peut fuir. Si un Atari, noir protège ici, blanc capture, noir recapture. Encore une fois, un seul œil. Ok. Donc ce coup-là, il a l'air d'être forçant. Il faut bloquer. Mais dans ce cas-là, on peut aller ici. Le problème, c'est qu'à cause de cette liberté et de cette liberté qui manque au groupe blanc maintenant, il s'est retiré lui-même une liberté, on ne peut plus aller là. Sinon, on se fait capturer. Donc, il capture ici. Mais on protège cette pierre en 3 en allant là. Et plus tard, quand noir aura joué ça, puis ça, ces 4 pierres seront mises en atari. Un seul œil. Donc à partir de ce moment-là, le groupe blanc est mort. Le format de l'écran a été étiré, c'est perturbant. Ouais, il a été légèrement étiré. Ouais. C'est gênant. Si vous voulez, je remettrai. C'est pour pas qu'il y ait mes fenêtres d'affichage. Et en même temps que ça fasse sur la taille de l'écran. N'hésitez pas à me dire si vous voulez que je change. Hop. Le site, c'est 101 Watchy. Allez, dernier problème aujourd'hui. Noir joue et vit. Si possible. Go, c'est qui encore une fois? Attention. Sur YouTube, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Merci beaucoup. Donc ici, qu'est-ce que vous jouez? T18. D'accord. Si l'on joue T18, qu'est-ce que tu réponds? Qu'est-ce que tu réponds à R19? Une prise, mais blanc pourra prendre ici. Et tu ne pourras pas reculer là car tu n'auras qu'une seule liberté. Du coup, souvent, voilà, c'est ça. Souvent, le coup qui t'embête, c'est pas systématique, mais sera le coup que l'adversaire a envie de jouer également. Donc, R19. Blanc vient ici. Et noir peut venir ici maintenant. En fait, voilà, il fallait un petit coup de préparation. Non, qu'est-ce que je raconte? Oula, ici. Je raconte n'importe quoi. Il vient ici. Et là, qu'est-ce que c'est? Cette forme, c'est quoi du coup? Qui l'aura en premier? C'est un séki, ouais. Donc, je le montre quand même. Si on joue ici en premier avec blanc, voilà. Même si on capture cette pierre, on peut. Blanc, il peut capturer ça. On capture ici, mais on a quand même perdu pas mal. Je regarde juste si on peut pas. Non, on peut pas aller ailleurs. Ok. Et si on voyait ça, tac, tac, on protège ici. En fait, si blanc. Hein, à l'idée de jouer ici, on vient là. C'est une forme en 4. Si blanc joue ici, noir vient là, deux yeux.
Si blanc joue ici, noir vient là, deux yeux. Inversement, si blanc joue ici, tac. Si blanc va ici, noir va là. Si blanc va ici, noir vient là. Donc, blanc n'a aucun intérêt à jouer dedans. Et en même temps, si noir vient dedans, il se retire une liberté et se fait capturer. D'un côté, comme de l'autre. Donc aucun des deux joueurs n'a intérêt à jouer dedans. C'est ni vivant ni mort. C'est sec. Donc là, en fait, on compte aucun point dans la fin de partie. Voilà. J'espère que ça vous a plu sur YouTube et sur Twitch d'ailleurs. Je vous dis à la prochaine. Salut!